Yep les gens, c'est Zayler et ouh, je sais, j'ai sorti une deuxième vidéo trop rapidement. Comment je suis grave fier de moi, j'espère que vous le serez aussi. En tout cas, voilà, c'est mon nouveau commentaire sur Black Ops, pareil, une map de la finale qui nous a opposé contre Mythics durant la finale Pro Cup organisée par Activision Game One en association, putain j'aurais du mal avec ça, avec Xbox 360. Soit, cette map, c'était la quatrième et dernière map de la finale sur Matchhammer par équipe Nukton. Si vous avez suivi mon dernier commentaire, vous savez à peu près comment on est arrivé en finale, quel match on a joué, quelle était à peu près la composition des équipes contre lesquelles on a joué. Là, donc, on jouait contre Mythics. Si vous ne vous souvenez pas de leur line-up, il est composé de Lohan, Gotaga, Agony et Diablo. C'est un line-up qui est assez ancien. Gotaga, Lohan et Agony, ils ont beaucoup de temps de jeu ensemble. Donc voilà, c'est une équipe. De toute façon, comme j'ai dit lors de mon précédent commentaire, c'est l'équipe qui partait favorite. Nous, on a essayé un peu de les faire flancher. Enfin, on a essayé de gagner le tournoi, bien sûr. Donc, durant cette finale, si vous avez vu à peu près comment ça s'est passé, on a perdu 4-0. Donc, techniquement, c'est un peu plus la wave. Mais sauf que en fait le fait est que ça a été ultra 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 serré sur toutes les maps. Il n'y a pas eu une map où c'était pas serré. Sur toutes les maps ça a été serré de fou. Et c'est pas le match le plus serré que j'ai fait, parce que je me rappelle un sur Modern Warfare 2 qui était complètement épique, où c'était pareil que ça, sauf qu'on avait joué toutes les maps. Mais là sur toutes les maps ça a été vraiment ça s'est joué à rien. Et c'est ça qui fait aussi que je suis pas trop mécontent de la défaite, c'est que je sais que ça aurait pu être... C'était un 4-0 dans leur sens, mais vu la tournure des maps, ça aurait pu être un 4-0 dans notre sens aussi. Donc voilà. Concernant la première map, parce que je vais passer les maps une par une pour vous expliquer à peu près ce qui s'est passé, je vous invite comme d'habitude à aller voir les VOD de la finale qui ont été très bien commentés. Donc la première map, c'était CTF Fighting Moment contre cette équipe. C'est leur map, je crois, préférée en CTF. On les avait joués quelques jours plus tôt et ça s'était bien passé. Donc on n'avait pas trop de stress par rapport à ça. On a pris le premier drapeau assez rapidement et assez facilement. Le fait est qu'après, on menait d'un flag sur le deuxième side. On s'est retrouvé en situation flag contre flag qui arrive pas très souvent sur Black Ops. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, en fait, on s'est trop retranché pour jouer justement sur ce flag qu'on avait d'avance. Et on a fait juste une erreur bête, c'est que voilà, on s'est trop retranché tous au fond de notre spoon, et qu'on s'est laissé à peu près exposé par tout ce qui était grenades, flash et tout, et s'en sont donné à cœur joie pour nous en foutre plein la gueule. Donc voilà, c'était juste tout bête, mais on s'est fait battre comme ça, on s'est fait prendre un relais directement encore plus bêtement. Et ils ont mis un flag à 30 secondes de la fin sur leur victoire pour la première map. Savoir que la première map, la plupart du temps, c'est la map la plus importante, parce que ça va dire en fait tu vas partir avec une map d'avance et directement tu vas être plus confiant, tu vas être moins stressé pour la deuxième map, et ça va être beaucoup plus simple de l'aborder, parce que forcément si t'es moins stressé, bah tu joues mieux de manière générale, et surtout pour une finale avec des enjeux comme ça, c'est très très important. Ils ont marqué cette première map, nous on était un peu démotivés justement à cause que ça s'est passé tout près de notre victoire. Et bon, c'est pas grave, on est passé directement sur la deuxième map, démolition summit. On a fait une très bonne défense, très clean, on a perdu le A, ça a été un peu brouillon, mais on l'a perdu quand même, c'est pas grave. On a réussi à garder B assez facilement jusqu'à la fin. Ils ont fait une attaque, non, ils ont fait une défense, voilà, pardon. Ou pareil, ils ont fait à peu près la même chose que nous. On a eu des bonnes occasions, mais on n'a pas su les concrétiser parce qu'on n'avait pas fait les bons frags au bon moment. Et ça a été tout bête. Ils avaient un peu plus de kills et ils ont décidé de reprendre l'attaque, enfin de prendre l'attaque assez bizarrement. Bon, on était confiants, on les a tenus au spoon en défense. Nous, on était en défense pendant pas mal de temps. Et on était assez contents jusqu'à ce qu'on se prenne une action. Et la démolition, si vous ne savez pas, si vous prenez une action, même si vous pouvez faire 40 kills de plus, même si vous pouvez avoir 40 kills de plus que l'adversaire, vous prenez un fou et la map peut être remportée. C'est pour ça que c'est un peu qualifié d'un gameplay, enfin d'un game type injuste. Mais bon, bref, ils remportent cette deuxième carte à partir de ça.
Donc là, c'était un peu moral à zéro pareil. On engage sur la troisième map, SMD Grid, qu'on a fait pas straté. Parce que les SMD, on les a pas straté ni quoi que ce soit. On entame avec des très bons débuts, des très bons rush, on casse bien leur rush aussi. On mène 3 à 1, donc assez, assez simple, 3 à 1, non, voilà, c'est remporté, c'est tranquille. Et là, ils cannent tout simplement leur premier kill, et ce qui fait qu'en défense, c'était impossible de backer sur cette map. Et du coup, on s'est pris manche sur manche jusqu'à finir par 4-3, donc là, c'est la déchéance, il ne nous restait plus qu'une map. MME Nulton, on savait qu'on la gérait bien. On pensait qu'on allait gagner comme toutes les autres maps. Et donc on partait assez confiant par rapport à ça, sur toutes nos techniques de jeu sur cette map étaient pas mal organisées. Il se trouve que moi-même personnellement, si vous l'avez pas remarqué, j'ai fait un très mauvais début. À savoir que je suis mort 3-4 fois dès le début. Et ça a été très mauvais parce qu'ils nous ont rushé dès le début. En fait, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça directement, plutôt qu'ils avaient joué les kills à longue distance au début, plutôt que de rusher un peu n'importe comment. Mais soit on savait que c'était leur style de jeu, et du coup, vu que j'avais une MC, je pouvais pas forcément gérer leur rush au début. Donc j'ai vite pris la K, c'est tout de suite mieux passé parce que j'ai pu gérer un peu plus de leur rush, et j'ai pu avancer aussi, j'ai réalisé quelques bonnes actions ainsi que mes teammates. Et donc ça a été une map très très serrée jusqu'au bout. Là on arrive justement à la fin de cette map. Bon, je vous casse un peu le suspense, on a perdu. Le suspense, on a perdu de 1 kill. Donc c'était encore très très serré comme toutes les autres maps. Et voilà. Bon, je tenais à féliciter les Mythics qui ont gagné donc ce tournoi. Je tenais à remercier mon équipe forcément qui a joué, enfin mes teammates qui ont joué avec moi, pour représenter un peu la suprématie. Et voilà, j'espère que ce commentaire vous aura plu. Je vous ai expliqué ce que j'ai fait pendant tout ce dernier mois à peu près. J'espère que vous allez me pardonner pour mon absence. Et voilà, bisous à tous.